Saison, tu es en pleine forme. Alors on va commencer. Cours de pilates niveau avancé ce soir. Petit ballon. Je suis un petit peu à la bourre, mais ça va le faire. On va rattraper le temps perdu après. Ok. Allez, on commence en position allongée. On va mettre le petit ballon dans le bas du dos. Descends tranquillement au sol. Si tu as du mal à le faire glisser sous le bas de ton dos, c'est peut-être qu'il est trop gonflé. Si besoin, tu le dégonfles. Alors, on va bien venir soutenir le bas du dos. Il ne faut pas que le dos soit arrondi. Donc, le ballon, pas trop à l'avant, pas trop reculé non plus. Ok. Allez, on va tirer la queue du chat vers l'avant ou glisser le coccyx entre les jambes. On active un peu les muscles du plancher pelvien. On creuse l'abdomen de bas en haut. Allez, tu vas pouvoir décoller une jambe puis l'autre. Voilà. Allez, on va jouer avec nos déséquilibres aujourd'hui. Ramène les genoux un petit peu vers la poitrine. Voilà. Petit stretch du dos. On va commencer avec un single leg stretch. Allez, on va souffler. Étends une jambe vers l'avant, on inspire, on stabilise. On inspire, on gonfle bien la cage thoracique et on souffle, on ramène la jambe, on resserre les côtes. Reste un petit peu là, vérifie que tu as bien un double menton, épaule omoplate bien étalée au sol. Allez, l'autre jambe, souffle, emmène ta jambe vers l'avant, inspire, stabilise. Pieds flex, comme ça tu fais un petit stretch. Des mollets en même temps. On va continuer comme ça, on va juste corser légèrement. Tu vas placer les mains sur tes côtes. Au début, là, tes majeures se touchent et puis sur l'inspiration, tes mains vont partir sur les côtés. En s'agissant sur le souffle toujours, les côtes se resserrent, les majeures se touchent à nouveau et sur l'inspiration, on laisse les mains s'écarter, on stabilise le mouvement. Allez, toujours sur le souffle, bouge ta jambe, inspire, stabilise. Allez, on souffle de manière un peu bruyante par l'arrière-gorge. Tu peux aussi, pourquoi pas, placer une main sur le bas du ventre. Tu vérifies que ton ventre ne bouge pas. Il est légèrement creusé. Tu creuses l'abdomen du pubis jusqu'à la poitrine. Allez, si ça va toujours, tu vas pouvoir déplier tes bras vers le plafond. Rajoute un petit peu de déséquilibre et on continue. Allez, respire en 5 temps. 5 temps pour inspirer par le nez, 5 temps pour souffler. Là, imagine que tu as des noisettes sous les épaules, tu veux les écraser. Active tes omoplates vers les fesses. Dans la région des omoplates qui s'active et qui reste active. Plancher pelvien actif à 30%. Continue encore un peu. Salut Sophie, ça va? T'as résolu ton problème de petit ballon? Sinon, tu fais sans si t'en as pas. Tu vas t'en sortir aussi. Nickel. Ok, on change d'exercice. On va ramener les bras au sol et activer ses bras. Dans le sol, on va tendre une jambe vers le plafond. Single leg circle, allez, cercle avec la jambe, je souffle, je fais un cercle avec ma jambe, l'autre jambe ne bouge pas, j'inspire, je stabilise. Comme ça, quand tu inspires, tu attends de voir que ta cage thoracique prend du volume. Toujours la même jambe, vois si tu peux progressivement augmenter l'amplitude des cercles, mais sans chavirer, reste bien sur ton ballon. Allonge bien la colonne. C'est comme si quelqu'un te tirait la tête vers l'arrière.
gentiment. Allez, fais pas semblant de respirer. Hein. À la maison, tu dois t'entendre respirer. Ok, on va faire la même chose de l'autre côté. Attention avec le petit ballon en bas du dos, à ce que ton dos n'épouse pas la forme du ballon. Hein. Garde ton dos bien aligné, bien étiré. Allez. Ta jambe, tu la déplies comme tu veux en fonction de ta souplesse. Ta jambe est tendue, tant mieux, mais si tu dois la plier, ce n'est pas un problème. Allez, écrase des noisettes, ça va être l'heure de l'apéritif. Petit apéro noisette tout à l'heure, après la séance. Agrandis les cercles si tu peux, mais garde ta stabilité. Ne t'écrase pas sur le côté. Aide-toi des bras pour te stabiliser. Déplie tes deux jambes vers le plafond. On va tourner les deux jambes séparément. Les jambes partent sur les côtés. Descends. Attention à ne pas décoller la tête. Garde le contrôle. Descends un peu moins si besoin. Change de sens ensuite. Allez, on réveille progressivement l'abdomen profond. Continue. Je vais juste regarder la suite du programme. Garde bien le ventre creusé de bas en haut. Ok, tu vas pouvoir reposer tes pieds au sol, prendre ton ballon, le placer au-dessus de la poitrine. Et tu pourras à nouveau décoller les jambes. On est reparti, même opération. D'abord une seule jambe, on presse son ballon en continu. On garde l'équilibre. Inspire, stabilise. N'hésite pas à faire des essais, à faire un plus grand cercle. Si ça ne se décolle pas, tant mieux. Sinon, tu réduis un petit peu l'amplitude. Allez, active bien la respiration. Hein. Donc, plus tu vas être efficace sur l'expiration, notamment, tu vas pouvoir renforcer les muscles profonds du ventre. Ok, tu peux passer sur l'autre jambe. Garde bien toujours ton double menton, c'est-à-dire le menton ramené vers la poitrine. Étire bien la nuque comme si tu voulais te faire un coup long comme un long coup de girafe. Dernier tour, ensuite on va faire avec les deux jambes pour finir cette série. Allez, courage, peut-être ça tire un peu à l'avant du bassin au niveau des fléchisseurs de hanche. Allez, les deux jambes en même temps. Attention, le bas de ton dos ne doit pas se décoller. Ça ne veut pas dire qu'il est collé au sol, il faut juste que ton dos soit bien étiré. Fais toujours glisser le coccyx entre les jambes. Et dernier cercle, presse toujours ton ballon. Ok, tu peux replier les jambes, relâche quelques instants. Tu vas glisser le ballon entre les genoux, mettre tes bras sur l'arrière. On va faire le roll-up. Allez, on va remonter progressivement, on décolle les vertèbres une à une du sol. D'abord la tête qui se décolle, puis les épaules. Puis le reste, attention à ne pas décoller tes pieds et remonter avec un à-coups. Décolle progressivement, alors s'étire, j'inspire et sur le souffle, je redescends. Presse ton ballon comme tu veux pendant cette séance. Tu peux même faire sans. Alors, je rappelle, je repense à Géraldine, hein, mais ça concerne d'autres personnes. Si on a le dos très cambré. Ce qu'on peut faire, c'est glisser un coussin en bas du dos.
pour aider la cambrure. On ne le met pas complètement contre les fesses. Voilà, ça vient combler la cambrure. Si on est très cambré, on ne pose pas les bras au sol à l'arrière. On peut le faire, hein, mais ce sera plus difficile de remonter, voire impossible de remonter avec un dos cambré. Progressivement, vertèbre après vertèbre, sans se crisper sur les épaules, sans faire du jus d'orange, hein, c'est un peu tard pour le jus d'orange. Active tes omoplates vers les fesses. Attention, hein, gonfle pas le ventre, ça c'est interdit. Souffle sur le mouvement et inspire, stabilise. Étire-toi là en haut. Cherche la verticalité au niveau du dos. Allez, une dernière. Respire bien toujours. Ok, la prochaine fois, tu ne vas pas redescendre complètement. Garde bien les omoplates décollées du sol. C'est parti pour la centaine. Allez, on va s'envoler. 5 battements, j'inspire. 5 battements, je souffle. Si en cours de route, c'est vraiment trop dur, on se rapprochera un petit peu du sol. Allez, presse ton ballon. 40. Étire ta nuque. Remonte pas comme ça. Souvent, là, en plus, le ventre se gonfle. Allez, seconde moitié. Tiens bon. 60. 70. Active bien tes omoplates. Loin vers l'avant. 80. 90. Allez, jusqu'au bout. Même si ça chauffe. Et c'est bon, on relâche, on va venir s'étirer de tout son long. Petite pause avant la suite. On va pouvoir se mettre à quatre pattes pour la suite. On va faire un swimming à quatre pattes. Là, idéalement, tu vas positionner tes mains sur le ballon, bien allonger le dos. Si ça te fait mal au poignet, ce que tu pourras faire, c'est faire simplement sans le ballon. Allez, on va jouer avec tous ces petits déséquilibres là. On active les épaules loin de la tête. On va resserrer un peu les jambes. Et puis sur le souffle, on va ramener une jambe sur l'arrière en essayant de bouger que la jambe. De ne pas bouger le haut du corps. Et là, voilà, ça peut se compliquer avec les déséquilibres. Inspire, stabilise et souffle. Reviens. Si tu y arrives, tant mieux. Sinon, panique pas. Tu pourras simplement mettre juste une main sur le ballon et déplier ta jambe. Ok? Respire bien. Continue d'étirer ton dos à chaque fois que tu souffles. Inspire, stabilise. Là, tu peux mettre pied flex. Si besoin, tu reposes le pied. Hein. Ruse autorisée. Toujours avec cet objectif d'avoir une partie du corps stable et une autre partie en mouvement, ce qui n'est pas toujours simple. Ok, alors on va commencer vraiment notre séance maintenant. Tu peux t'asseoir en équilibre fessier, le ballon entre les genoux. Tu peux t'agripper au début. Entre les jambes. Tu vas bien engager l'abdomen, tu t'arrondis légèrement. Okay. On va faire l'open leg rocker. On est parti, on va déplier une jambe vers le plafond et inspirer, redescendre, parce que c'est un peu dur, sauf si tu veux. Tu peux rester là en haut, ta jambe dépliée sur l'inspiration. Creuse bien l'abdomen de bas en haut. Sors la tête des épaules. Tu es une tortue maintenant. Tu sors la tête de ta carapace. Crispe-toi pas sur les épaules. Si ça va toujours, déplie tes bras sur le côté. Allez, c'est nickel. Sophie, en tout cas, je pourrais te donner un bon point, il faut que je te trouve une belle image. Tu as été bien assidue pendant le confinement, tu peux être super fière de toi. Tu établis un podium, tu seras sûre, sûrement.
reste quelques instants par ici. Tu mets de la pression sur ton ballon, bras contre jambes, souffle longtemps, active l'abdomen, souffle jusqu'au bout. Inspire, relâche, on en fait 5 fois. Je regarde la suite du programme. Ah, l'exercice suivant, ça va être bien. Et deux, trois. Quatre. Plus personne ne doit être à la plage à cette heure-ci, c'est 20 h passées. Avec tout le monde au Pilates. Et c'est bon. Ok, tu vas passer. Sur les genoux, tu vas mettre un genou sur le ballon. Positionne tes bras à la verticale, tes mains sous tes épaules. Hop. Décolle une jambe. Là, tu gardes ton pied au sol. Tu as besoin d'un peu d'équilibre quand même. Tu garderas les coudes le long du corps. On va faire les pompes pilates. Allez, c'est parti. Inspire, descends. Tes coudes collés, serrés le long du corps. Et souffle, remonte. Allez, fais le nombre que tu veux, tu n'es pas obligé d'aller toucher le nez au sol. Aligne ton corps du pied jusqu'à la tête, tout le long de l'exercice. Inspire, descend. Et souffle, remonte. Ok. On enchaîne de l'autre côté. Ballon sous l'autre genou. On continue. 5 à nouveau de ce côté-là. Inspire, descend. Attention, pas les épaules dans la tête. Garde toujours tes épaules bien reculées. Inspire, descend. Souffle, remonte. Cherche à garder les coudes bien le long du corps pour solliciter l'arrière de tes bras. Ça, c'est un bon exercice. Petit rideau de grand-mère ou aile de poulet, je sais pas Sophie comment t'appelais ça, toi on en avait discuté. Et la dernière. Parfait, on repart s'asseoir. Open leg, gros cœur à nouveau. Cette fois-ci, on va faire avec les deux jambes. Tu t'agrippes à l'arrière ou pas. Et c'est reparti. Inspire, redescend. Allez, assez exigeant pour la souplesse. Et si on manque de souplesse, on est un peu obligé d'incliner le dos, ce qui va être plus exigeant pour l'abdomen. Allez, courage. Aide-toi de la respiration. Creuse bien l'abdomen, toujours de bas en haut. Interdit de gonfler ton ventre. Et la dernière. Et on repasse sur la pompe. Allez, on y retourne. On va faire une série de 3 sur chaque jambe. Pas forcément très long, mais tu vas comprendre pourquoi. C'est qu'on va faire 4 séries en tout. Là, on est à la deuxième série. On descend. Souffle, remonte. Tire bien la queue du chat vers l'arrière, hein, sois pas trop cambré. Et tes coudes, pas sur les côtés. Le long du corps. Tu dois être à 3. Passe le ballon sous l'autre genou. On est reparti. Et de une. Tiens. Te laisse pas embêter par tous les déséquilibres. Ça fait partie de ce jeu qu'on fait ensemble ce soir. Ok, nickel. On va attaquer la troisième série. On va faire une petite variante maintenant. Tu placeras le ballon entre tes mains. Tu vas pouvoir le presser ou pas. Et on est reparti avec une ou deux jambes. Là, c'est toi qui décides. Souffle-moi. Inspire, descends. Tu veux corser, tu fais avec deux jambes. Tu peux aussi davantage le ballon, mais te crispe pas dessus. Garde les épaules loin de la tête, un peu reculé et abaissé.
Gonfle bien toujours la cage thoracique quand tu inspires. Ah, c'est bien. Et c'était la dernière. On repasse sur la peau. Allez, si possible, tu vas passer à 4 maintenant. Trouve ton équilibre, trouve ton alignement. Et c'est reparti. Inspire, descend. Attention, ne ruse pas, on emmène ta tête vers l'arrière. Et deux, allez, garde les coudes serrés. Trois. Et quatre, change le ballon de côté. Trois, huit en tout, allez. Allez, c'est bien. Déjà deux. Trois. Et la dernière. Quatre. Nickel. Allez, c'est l'heure de la dernière série. Ouf. Allez, repars quand tu veux. Positionne-toi bien. Arrière en avant, active ce qu'il y a activé. Allez, c'est bien. Et 3. Allez. Je vais aller jusqu'à 10. Si c'est trop, tu t'arrêtes avant, pas de panique. Vise plutôt la qualité à la quantité, ok? Allez, 5. 6. Allez, active bien l'abdomen. 7. Courage. 8. Allez, on lâche rien, continue de respirer. 9. Ça sent la fin. Allez, la dernière. Et c'est parfait. Dernière série de pompes. Là, tu vas faire le nombre que tu veux. Change de côté quand tu le souhaites. Trouve l'équilibre avant de démarrer. Active bien les épaules vers l'arrière. Lutte pour ne pas écarter les coudes. Plancher tendu, toujours actif. Allez. Et 5. Allez, je vais aller jusqu'à 8. Toi, tu fais ce que tu veux à la maison. Et 8, et change de côté quand tu veux. Allez, toi du souffle pour la remontée. Je suis à 5, je ne sais pas où t'en es. Fais le maximum. Attention à la remontée. Hein. Ne fais pas le dauphin. Et la dernière. Je sais pas toi, moi je suis contente que cette série soit finie. Je sens les degrés de plus arriver. Ok. Allez, on va continuer sur la chaîne. Antérieure, on va redescendre au sol, on va faire hip circle, donc cercle de jambes à nouveau en partance du bassin, presse ton ballon comme tu veux, espace un petit peu les bras, allez, c'est parti, tu souffles, tu descends sur le côté, abaisse tes jambes, inspire par là et souffle, remonte. Garde tes épaules bien actives vers le sol ou dans le sol. Inspire ici, change de côté.
descends. Garde l'épaule au sol. Toi du souffle pour la descente, pour la remontée. Jette un petit coup d'œil à mes commentaires. Ça va toujours. Nickel. Alors on continue. Allez, si il te reste un peu de force, presse ton ballon davantage. Dernier tour. Et puis tu vas venir sur les coudes. Sur les coudes. Alors là, te mets pas en position plage. Tranquillou. Non. On se repousse bien du sol. On dégage bien son dos du sol. On aligne le dos. Okay. Même exercice. Tu peux faire jambe fléchie ou jambe tendue, c'est toi qui vois. Un peu plus difficile, le dos n'est plus au sol. Si c'est dur pour son dos, tu peux tout à fait en faire comme avant. Si tu veux faire plus difficile, tu écrases bien ton ballon. Inspire en bas, inspire en haut, souffle pour la remontée et la descente. Tu peux changer de sens à chaque fois. Attention quand tu descends à ne pas bouger le haut du corps, notamment l'épaule. Garde la stabilité du haut du corps. Ne laisse pas ton dos, tes épaules se relâcher. Allez, dernier tour. Ok, tu vas pouvoir remonter d'un cran. On va positionner le ballon sous les fesses. Ok. Alors, là, sur l'inspiration, on va bien se repousser du sol. Et sur le souffle, on va décoller le bassin du ballon. Inspire en haut et souffle, redescend. J'espère que tu atterris sur ton ballon. Une version plus difficile, si besoin. Le ballon entre les jambes et je souffle. Je décolle par la force du centre. Plus difficile. Inspire en haut. Souffle. Redescends. Quand tu redescends, ne laisse pas tes épaules monter. Ce sont tes coudes qui se plient et tu reviens solliciter tes triceps, pareil que dans les pompes. Et on va en faire une dernière. Allez, c'est parti. Ok. On repart sur les coudes. Cercle à nouveau. Deuxième série. Il n'y aura que deux séries pour ces exercices. T'endors pas dans tes épaules, hop, bien actif sur les avant-bras, on se repousse du sol. Stabilise bien tes épaules. Allez, presse ce ballon si tu peux pour corser ta série. Allez, on en rajoute deux, si possible. Allez, résiste. Finis ton tour. Et puis, tu pourras repasser plus sur les fesses. Allonge bien la colonne. On est reparti. Prends l'option qui te convient pour cet exercice. Il y avait le choix. Soit le ballon entre les jambes, que tu presses, soit le ballon sous les fesses. Quand tu redescends, plie tes coudes.
Alors là, je t'ai donné deux options. Peut-être t'as envie d'une troisième. La troisième option, ce sera celle-là. Quand tu te rapproches du sol, tu restes ici. Tu ne viens pas te reposer au sol. Inspire sur le souffle. Tu repars vers le haut. Dans cet exercice, les gens qui sont très souples au niveau des coudes, ne tendez pas vos bras. Gardez un petit degré de flexion. Pas comme ça tendu. Petit degré de flexion. Pour ne pas aller solliciter les ligaments encore plus. Là, t'as envie d'arrêter. Allez, on en rajoute 2-3. Sûrement, tu peux. N'écoute pas trop ton mental. Sûrement, tu peux. Et ce sera bientôt l'heure de la dernière. Avec courage. Contente d'arrêter. Relâche un petit peu. Alors, on est en bonne voie. On a fait la moitié de la séance. Ça, c'est une bonne nouvelle. On attaque sur le côté chaîne latérale. Tu auras le ballon sous le bassin. Le bras là-haut, le flex. Pareil que dans l'exercice où on a fait les serres de jambes hein, d'avant, on ne s'endort pas dans les peaux. On se repousse bien du sol, voilà, on trouve son équilibre, coude sous épaule, et c'est parti. Montée descente de la jambe. Alors si on glisse, on essaie de bien mettre ses pieds flex. Ça, on prend appui sur tout le bord externe du pied. Inspire en haut et souffle, redescends. Si tu veux, tu peux aussi mettre une main là entre le nombril et le pubis, vérifier que ton ventre ne se gonfle pas. Ou vérifier que tu respires bien au niveau thoracique. Respiration latérale thoracique. Si tu veux faire un peu plus dur pour le deuxième exercice, tu pourras décoller presque complètement de ton ballon, toi qui vas décider. Allez, on part. Coup de pied latéral. Sidekick. Devant. Et légèrement derrière. On corse progressivement la série. Subissez pas. On n'est pas dans l'épaule. Les personnes hein, qui ont un souci d'épaule peuvent tout à fait pour cette série. Se mettre au sol. On peut se servir du ballon comme un oreiller. Attention à ce qu'il ne soit pas trop gros. Voilà. Et faire la même chose au sol. Avec le bras sur le côté. Si le ballon est trop gonflé, la nuque est cassée comme ça, ce n'est pas l'idéal. À ce moment-là, on peut prendre quelque chose de plus petit, comme un coussin. Toujours du même côté. Troisième et dernier exercice de cette série, la jambe qui reste décollée, si possible, grand cercle avec le bras. Allez, on va chercher de la souplesse au niveau de l'épaule et attention à ne pas se déséquilibrer quand le bras passe sur l'arrière. On ne fait pas de mouvement avec le haut du corps. Seul le bras bouge. Je me remets sur l'écran. Tu vas tourner le bras dans l'autre sens. Tu peux être resté en haut, hein. C'est bien. Et là, si tu te demandes à quoi te sert ton ballon, bah, la réponse c'est qu'il ne te sert à rien hein, si tu es décollé. Alors, reste là. Mince, il est tombé, j'ai perdu. Ok, fais encore un tour. Je récupère mon ballon, je reviens. Ok, nickel. Allez, même opération de l'autre côté. Alors, tu vas avoir d'un côté à l'autre. Tu n'as pas forcément la même force. Tu vas t'adapter. Ok, dès que tu es prêt,
Tu peux à nouveau repartir, monter, descente. Allez, tire-toi de la tête jusqu'aux pieds. Inspire, maintiens la jambe en haut. Alors, je ne l'ai pas dit pour la série d'avant, mais là, tu peux, si tu veux corser, hein, ne pas reposer complètement ton pied, comme tout à l'heure. Et là, si tu as envie de surveiller ton pied, tu surveilles une répétition, ensuite tu regardes sur le côté. Recule ta tête. C'est comme si tu voulais être dans un tout petit passage étroit. Ne laisse pas traîner de choses vers l'avant. Dernière répétition pour cet exercice. Allez, side kick. Amène ta jambe sur l'avant. Ton buste ne part pas à l'arrière. Pieds flex si possible. Là, si tu glisses, c'est peut-être que tes pointes de pied partent comme ça sur le côté. Donc, essaie de les ramener vers toi. Voilà. Je sais, c'est pas facile forcément. Petit coup d'œil à vos commentaires. Toujours la jambe devant, derrière. Sauf si à l'arrière, ça tire au niveau des lombaires. On n'insiste pas. On reste à l'écoute. Plus là, il n'y a personne à impressionner. A priori, tu es tout seul chez toi, avec tes proches. Tu peux aussi toujours décoller le bassin de ton ballon si tu veux faire plus difficile. Allez, dernier exercice. Le bras. Souffle. Tourne le bras et inspire. Stabilise. La jambe levée ou pas, ça c'est toi qui vois en fonction de tes batteries. De ton épaule aussi. Et on tourne dans l'autre sens. Salut Charlotte, tu viens de te réveiller? Il reste 20 minutes si tu veux faire un flash pilates. Ok, c'est nickel. On repart sur un exercice qu'on a déjà fait une fois, le roll-up. Serre les jambes comme tu veux. Si d'habitude tu fais cet exercice avec les jambes tendues, là tu pourras le faire, mais en gardant ton ballon légèrement décollé du sol. Inspire, étire-toi, repousse-toi du sol. Allez, tu grandis, tu gagnes des millimètres et souffle, tu vas t'arrondir progressivement. Descends jusqu'où tu veux. Si cet exercice est difficilement réalisable, faire aussi la partie basse comme ça, tu vois. Il vaut mieux faire ça plutôt que de faire des choses comme ça on oublie tout de suite. Ok, soyez pas tentés. Votre dos vous remerciera de ne pas le faire. C'est facile, on peut inspirer, marquer un temps d'arrêt là au milieu, là où c'est difficile, si on veut passer au niveau d'après. Attention, on n'amène pas forcément les bras au sol. Hein. Si ici ça se décolle, ça va être dur de remonter après et ton dos ne sera pas ravi. Presse ton ballon toujours. Remonte sans décoller les jambes. Tu vas prendre ton ballon, place les jambes comme tu veux, tendues. On continue. Deuxième série. Presse ton ballon, garde les bras un peu fléchis. Ne te crispe pas sur les épaules. Ne résiste pas à la tête, descend elle aussi en fonction du dos. Elle suit le mouvement du dos. Ne casse pas la nuque. Inspire en haut. Presse ton ballon. Toujours, si tu peux.
Si t'embêtes, si tu as des douleurs d'épaule, tu peux le remettre entre les jambes par exemple et reprendre pareil. Semble que cet exercice fait du bien à ton dos, en plus de renforcer l'abdomen, fait du bien à ton dos parce que tu mobilises les vertèbres une à une. Tu peux aller vers le plafond aussi. Et ce sera la dernière répétition. Ensuite, on va faire un stretch du psoas. Ces muscles-là, les fléchisseurs de hanche. On vient se positionner à genoux. Un genou au sol. Là, tu n'auras pas forcément besoin du ballon. Avance bien le bassin. Sans ton étirement ici. Si tu n'as pas assez d'étirement, du même côté, tu montes le bras. Tu pousses vers le haut et légèrement vers l'arrière. Un étirement ici, un étirement modéré, reste dans ta zone de confort. De l'autre côté, on va étirer l'épaule. Étirer plus précisément les pectoraux, les muscles de la poitrine, ceux qu'on a sollicités entre autres dans la pompe tout à l'heure. Ventouse toujours pied, genou au sol. Sans ton étirement ici, si tu as des soucis de dos, c'est important de soigner ton psoas. Ok, on change de côté. Allez, on récupère un peu avant d'attaquer une autre série. On va alterner à nouveau deux exercices. Allez, on va attaquer le dernier quart d'heure de cours. Donne tout. Ok, allez, on est reparti. On recommence avec le teaser. Je vous montre. On partira dos au sol, genou vers soi. Et on va souffler. C'est un peu comme un roll-up, sauf que on va venir trouver l'équilibre. Fessiers, aligne bras et jambes, et puis tu redescendras progressivement sans te laisser tomber au sol. Déplie tes jambes au bon moment pour pouvoir monter. C'est un exercice où tu as besoin de coordination, de force au niveau de l'abdomen et de souplesse au niveau du dos. Donc pas forcément simple. Inspire en bas, inspire en haut. Presse ton ballon davantage si tu trouves facile. Tu peux aussi t'amuser à rester un peu en haut si ça va bien, si tu as envie de corser, ou t'amuser à rester en bas là si tu as besoin d'étirement. Tu as toujours l'abdomen creusé de bas en haut quand tu inspires, tes côtes s'écartent. Cherche à presser ton ballon toujours. Allez, redescends au sol et tu pourras y rester. On va faire un pont sur l'épaule. Tu vas prendre ton ballon entre les mains. Là, dans cet exercice de pont sur l'épaule, prends appui le moins possible sur tes pieds. Ce qui va te faire monter, c'est la force de l'abdomen. Allez, engage ton centre. Décolle d'abord le sacrum, les lombaires. Une partie des dorsales. Voilà. Tire la queue du chat vers l'avant ou fais glisser ton coccyx entre les jambes. Non, ça marche pas, mon histoire de t-shirt. Aligne bien ton dos. Allez, presse le ballon au-dessus de la poitrine. Tu vas pouvoir resserrer légèrement les jambes et en décoller une. L'exercice du vélo. Tu te souviens de ça, les déplie ta jambe vers le plafond en fonction de ta souplesse. Pied flex, abaisse ta jambe, tends-la progressivement.
tu la places à l'horizontale et ensuite tu vas la replier, la ramener vers toi. Allez, 5 fois de chaque côté. Si jamais il y a une crampe qui arrive, tu peux le pied qui est resté au sol le ramener juste sous le genou. Allez, profite de la descente de la jambe avec le pied flex pour t'étirer. Oui Charlotte, on est mardi et le programme n'est pas habituel parce qu'en mai il y a des ponts et donc voilà, ça change un peu, il faut suivre. Peut-être tu es arrivé à 5 ou ce sera ta dernière mon ami, tu vas pouvoir changer de jambe. Si tu peux, continue de presser ton ballon au-dessus de la poitrine, tes coudes sont décollés. Les épaules loin de la tête. Mouvement en continu, respiration toujours en continu, hein, comme dans tous les exercices. Allez, c'est bien. Allez, jusqu'à 5 si possible. Tu vas pouvoir redescendre. On repart sur l'open leg. Pardon, le teaser, ça c'était avant. Donc, alors là, tu vas mettre le ballon entre les mains. Et on est reparti pour la même chose. Petit conseil, garde tes coudes fléchis. Remonte sur le souffle. Inspire en haut. Et souffle. Replie les jambes. Redescends. Une option de plus. Si tu as besoin d'une troisième option, tu vas garder tes jambes tendues tout le long de l'exercice. Plus difficile. Si possible, tant mieux. Si tu sens que c'est difficile à te contrôler, repasse avec les jambes fléchies. Ok? Allez, c'est bien. Ne lâche rien. Allez, il nous reste 10 minutes pour ce cours. Ça va le faire. Et une dernière. Et ensuite, on va repasser sur l'épaule. Je me réavance un petit peu. Pardon. Hop. Allez, on remonte, on est reparti. Alors cette fois-ci, on va faire du rétro-pédalage. On fait le mouvement jambe à l'inverse. Jambe à plat, pied flex. Je la remonte. Et je replie. Si tu as un peu du mal avec ta jambe, laisse-la faire ce qu'elle a envie de faire. Garde surtout ton dos bien positionné. La pression sur ton ballon. Pas obligé de déprouver la coordination, si bien l'abdomen. Le mouvement, il est presque secondaire. Ce qu'il faut, c'est avoir des intentions, un bon placement, des bons placements, une bonne respiration. Alors là, je t'ai pas prévenu, mais on va en faire 10 cette fois-ci. Peut-être qu'il y en a qui vont avoir des crampes avant la fin. Allez, je suis à la 7e. Tiens bon. T'es pas déjà à 10, hein, sinon t'es allé trop vite. 8. Allez, courage. Presse ton ballon toujours. 9. Et 10. Bonne nouvelle, on va changer de jambe. Allez, réactive plancher, pelvien et centre si besoin. Et 2. Si. Attire pour le dos, arrête-toi avant ou abaisse un peu ton bassin. 3. 4. 5.
c'est rien. Si on continue jusqu'à 10. Allez, Sophie, tiens bon. Moi aussi, j'ai chaud. Dur, hein, niveau avancé. Voire super avancé par moment. Allez, il doit rester deux, là, je pense. Ou une. Finis ta série. Tu pourras glisser le ballon dans le bas du bidon. Tu vas te poser dessus. Et tu relâches tranquille sur les côtés. On s'accorde une petite pause. Allez, tu peux reprendre ton ballon. Tu vas le glisser entre les pieds. On va repartir solliciter l'arrière des bras, nos triceps. Bonne nouvelle. Swan dive, plongeon du cygne. On part d'ici. On a les coudes serrés. Les mains pas trop hautes. Sinon, les épaules vont être trop montées. On repose son ventre le moins possible au sol. On active bien l'abdomen. Regarde une première fois si tu ne connais pas l'exercice. Tu vas souffler, décoller le haut du corps et ensuite c'est là que tu vas faire ton plongeon. Tu te laisses tomber, tes jambes montent. Et puis tu recommences une fois haut. Assure-toi que ton abdomen soit bien actif. Serre ton main comme tu veux. Si tu enlèves, tu l'enlèves. Tu peux aussi déplier tes bras vers l'avant, comme ça. Sophie, ne fais pas le plongeon, fais juste avec le haut du corps, comme ça. Pardon d'y penser seulement maintenant. Et ne monte pas trop. Allez, on en rajoute 3. Inspire en haut et souffle. Laisse-toi tomber. Serre bien les coudes. Les mains pas trop hautes. Allez, la dernière. Ok, nickel. Alors, l'exercice qui suit, il peut être assez exigeant pour les épaules. Donc, en cas de problème d'épaule, je te conseille de garder ton coude au sol, un peu comme on a fait tout à l'heure. Tu vas reconnaître, tu vas savoir quoi faire. Sinon, on partira avec les jambes fléchies. On va faire l'étoile. Regarde si besoin. Tu vas bien activer ton épaule quand tu seras en haut, surtout, mais tout le long aussi. Panier. Il y a une lampe là-haut. Tu fais l'étoile, voilà. Et si tu veux, tu redescends à chaque fois, délicatement, soit complètement, soit partiellement, comme moi. Bon, je vais m'avancer, je vais tourner de la table après, il viendra me chercher. Allez, respire. Inspire en bas, inspire en haut, et souffle pour monter, descendre. Tu as envie de changer de côté, parce que dur, ben change de côté quand tu veux, hein, n'hésite pas. Inspire en bas et souffle, remonte. Ok, continue si tu veux. Moi, je vais changer de côté. Chaud. Allez, on active tout avant de se lancer. On est bien solide au niveau de l'abdomen. Allez, peut-être ça va être mieux de ce côté-là, peut-être moins bien, tu t'adaptes. Inspire en haut, inspire en bas. Soit tu redescends complètement, soit tu t'arrêtes un peu avant, tu peux t'aider du ballon. Une petite aide aussi, ça peut être de se positionner là, sur le ballon, avant de remonter. Continue si tu peux, je vais juste jeter un petit coup d'œil. Alors, on est dans les temps, tu peux en faire une dernière si tu veux. On va faire
Une dernière série, la centaine. Déplie tes jambes vers l'avant, vers le bas, tant que tu peux. Sinon, si tu sens que le dos cambre, tu mettras tes jambes vers le plafond. Presse ton ballon. Et bon. Décolle un peu les omoplates si tu peux. 30. 40. 50, c'est la dernière série. Hein. Lâche rien. 60. Creuse bien l'abdomen toujours. 70, allez jusqu'au bout. 80. 90. Là, c'est la fin. Accélère un peu les battements de bras. Et c'est bon, tu peux relâcher. Ouh. Bonne nouvelle. Tu vas pouvoir repasser sur les genoux. Positionne ton ballon sur l'avant. Alors, on va étirer les fessiers. Tu vas mettre ton tibia en travers de ton tapis. Et puis ensuite, tu vas reculer ta jambe, ton bassin. Voilà. Tu descends jusqu'où tu veux, tu sens ton étirement ici. Le ballon, éventuellement, il peut te servir à te poser. Si c'est bien pour toi, sinon, tu n'es pas obligé de t'en servir. Tu as le pied qui est bien d'un côté, ta fesse de l'autre côté. Sois pas comme ça, sois bien le pied sur le côté. Allez, on récupère vraiment tout le monde. Allez, je te laisse changer de côté. Facile, hein, cette séance de niveau avancé et super avancé. Bon, j'ai pas dit super avancé, sinon ça vous aurait fait peur, mais par moment c'est du super avancé. Même si on fait pas tous les exercices parfaitement, c'est bien aussi de se lancer des défis et puis peut-être de constater que cette séance de niveau avancé, elle peut devenir plus facile avec le temps, avec l'entraînement. Tout est possible. Ok, on a étiré petit, moyen fessier. On va finir par un stretch du dos. Là, on viendra poser la tête sur le ballon. On allonge bien la colonne. On vient poser les côtes sur les cuisses. Poser la tête sur le ballon. Et là, on ne va pas chercher à pousser les mains et les épaules vers l'avant. On cherche au contraire à reculer les épaules et à hausser la tête. On cherche à éloigner le bassin de la tête. Là, ta tête est posée sur le ballon et comme ça, elle est alignée avec le dos. C'est l'idéal. Observe un peu ta respiration. Regarde comment elle est. Est-ce qu'elle est ample, fluide? Ok, allez, ramène les mains à proximité de tes genoux, prends aide de tour de tes bras pour remonter. Et puis ça va être l'heure de se laisser. J'espère que ça s'est bien passé pour toi, en direct ou en différé. Et on va se retrouver demain matin peut-être pour le cours de niveau fondamental à 7h30 pour les leftos et sinon la semaine prochaine. Je vous laisse le programme d'ici dimanche, on va dire. Bye bye, bonne soirée. Et merci d'être là.